tu as toi-même qui es là sur ce live aussi. J'ai écouté tes voix. Tu as dit qu'ils m'ont donné la visibilité. Je suis venu faire mon lancement dans ton restaurant. Ils sont venus la première fois pour faire les photos. J'ai payé hôtel et tout. Ils sont venus la deuxième fois pour le lancement. J'ai payé un cachet que j'ai donné à Star. J'ai payé le restaurant. Je peux même te donner le montant du restaurant. C'était 3 700 euros de restaurant pour le lancement de ma marque chez Cynthia. Elle est ici. J'ai tout payé. Mais, chérie, quand on paye quelque chose, c'est une prestation. Pourquoi est-ce qu'on peut venir me dire aujourd'hui que je suis ingrate parce qu'ils m'ont donné la visibilité? Quelle ingratitude! À partir du moment où tu payes une prestation, il faut bien que les gens fassent leur travail. Et quand ils finissent de faire le travail et que le contrat finit, ils effacent toutes les vidéos. J'ai fait les contrats avec Lady Sonia, l'influenceuse internationale. Mes vidéos sont encore sur sa page. J'ai fait des prestations avec Emmanuel Keita. Je l'ai payé. Mes vidéos sont encore sur sa page. Il y a que sur Instagram et surtout mes vidéos ont disparu. C'est quoi? Quel est votre problème, vous faites? Pourquoi vous me cherchez? Jamais, mais ça ne me cherche pas. Quoi? Ne me cherche pas. C'est pour ta femme que je te vide depuis longtemps. Tu comprends? Il ne faut pas me chercher. Je ne suis pas venue au lancement de la marque de ta femme parce que je n'avais pas le temps. Et même si j'avais le temps, tu allais me payer. Je m'interroge. Ne t'amuse pas avec moi, j'ai envie de me ça. Quoi? Arrête. Quoi? Arrête ce que tu es en train de vouloir faire. Oh, maman. On ne va pas tourner à gauche, à droite. Non, 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 non. Le tourner à gauche, à droite, là, hein, ça ne me ressemble pas. Ça, c'est clair. Je suis une digne fille bassard. Ça, c'est clair. Il est bassard comme moi, il faut qu'il vienne ici en live. Ah bon? Et pourquoi? Donc, dis-lui que Amélie est en live et qu'elle veut que tu viennes ici en live. Ha! Wow. Où sa femme? Hey! Ho, 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 ho. Dis-leur que je suis en live. Pardon, t'inquiète. Comme ça, on finit ça une fois. Ici, une fois, on quitte dessus. Ça, c'est clair. C'est ces gens-là, me sentent que je veux qu'ils viennent. Et sa femme. Je les veux ici en live. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'on m'a envoyé une partie de leur vidéo qu'il a fait cet après-midi. Ha! Wow. Il a parlé en parabole en disant qu'ils m'ont donné la visibilité. Je veux qu'ils viennent ici en live. Dire aux gens comment ils m'ont donné la visibilité. Partagez d'abord. Je veux qu'ils viennent ici en live. Depuis quelle année je suis ici sur Facebook? Je m'interroge. Je veux qu'ils viennent ici en live. Dire à tout le monde comment je suis ingrate. Comment ils m'ont donné la visibilité. Et comment je ne suis pas reconnaissante. Pardon, taguez-les-moi. Oh, je suis prête. Ouais. Laisse mon frère. Hey. C'est à moi qui s'adressait. C'est à moi qui s'adressait. Non, non, non. En fait, de tournicoter à gauche à droite, ça sert à quoi de tournicoter à gauche à droite? Je m'interroge. Il faut qu'ils viennent en live me dire comment ils m'ont donné la visibilité. Ah bon? Et pourquoi? Parce que si je parle sans qu'il ne soit là, on peut dire que j'ai raconté à gauche à droite. Non, je veux qu'il soit là. Quoi? Il faut qu'il soit là. Il faut que sa femme soit là. Pour qu'il vienne me dire comment ils m'ont donné la visibilité. Ça, c'est clair. Je fais partie des gens qui n'aiment pas l'hypocrisie ni la manipulation. Ah! Il a dit qu'il était monsieur propre, non? Oui. Il a dit qu'il n'aime pas la manipulation, non? Oui. Il a dit qu'il aime la dénonciation, non? Oui, 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 oui. Il a dit qu'il m'a donné la visibilité. Oui. Je suis sur Facebook depuis 2015. Ça, c'est clair. J'ai une entreprise qui fonctionne depuis 2015. Ça, c'est clair. Je veux que Jean-Louis Messant vienne ici en live expliquer à mes followers comment il m'a donné la visibilité. Qu'il vienne. Moi, je veux discuter avec lui face to face. Ce n'est pas qu'on a dit à gauche, on a dit à droite. Je veux qu'il vienne ici en live. Que lui et moi, on discute. Qu'il me donne, qu'il me dise comment il m'a donné la visibilité. Quel était notre contrat? Quel était notre contrat? Je veux qu'il vienne me dire ici en live. Parce que c'est trop facile, hein, que chacun mette sa caméra et qu'il commence à parler à gauche à droite n'importe comment. Non, 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 taguez-le moi. Dites-lui que Amélie est en live et Amélie veut te parler. Partagez d'abord. Tu as fait un live cet après-midi qu'on m'a envoyé des bouts de tes lives en disant que, en parabole, qu'il y a des gens qui sont ingrats. Que si on t'a donné la visibilité, tu avais deux personnes, on t'a donné trois personnes pour être reconnaissant. Je veux que tu viennes ici en live. Ah bon? Et pourquoi? Mais dis comment vous m'avez donné la visibilité. Quel était notre partenariat? Je veux que tu viennes. Je ne peux pas parler si tu n'es pas là, Jean-Louis, mais ça, il faut que tu viennes. Ha! Wow! Wow, 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 wow. Tu es mon frère, non? Quoi? Tu es mon frère. Viens en live ici pour qu'on discute. Que tu me dises comment tu m'as donné la visibilité. Et que je suis ingrate. Laisse mon frère. Hey! Et où se positionne mon ingratitude vis-à-vis de vous? L'ingratitude se trouve où, Jean-Louis, en fait? Point d'interrogation. Je vais vous raconter, mes chéris. Parce que comme il veut qu'on en arrive là, on va y arriver. Parce que moi, j'aime quand les choses sont claires. Je n'aime pas quand ça va à gauche ni à droite. Ça, c'est clair. Sa femme va s'étonner que je me mette ici en live pour parler. Mais là, c'est mon mieux. Ça, c'est clair. Il a dit dans son live que. Que les gens ne savent pas dire merci. Que quand tu étais incognito sur les réseaux sociaux et qu'ils t'ont permis d'avoir, tu avais une personne et qu'ils t'ont permis d'avoir trois personnes, il faut savoir dire merci. Ça, c'est clair. Je veux que vous me taguez Jean-Louis. Ah bon? Et pourquoi? C'est mon frère. Je veux que vous taguez Jean-Louis, c'est mon frère. Il faut qu'il vienne, on parle. Ça, c'est clair. Et vous taguez sa femme aussi. Dégage. Ouais, venez. Si c'est cette voix qu'il a choisi, on va y aller parce que moi je n'ai rien à faire. Hein? Rien du tout. Partagez d'abord. Il dit que la visibilité qu'ils ont donnée, que si je ne reconnais pas ça, je vais retomber comme un château de cartes. C'est toi qui m'as construit. Quoi? C'est toi qui m'as construit, Jean-Louis. Je m'interroge. Est-ce que c'est toi
Je m'interroge. Il a dit que il a donné la visibilité. Et que si on ne reconnaît pas la visibilité qu'il a donnée, ça veut dire que je suis ingrate. Mais on est où? Et tu dis quoi? Je m'interroge. Tu essayes dans ta manipulation, essayer de dire aux gens que je m'aligne avec des gens qui ne vous aimeraient pas, etc., etc. Je n'ai pas envie de parler derrière les gens. Je veux que tu viennes ici, Jean-Louis Messin. C'est à toi que je veux parler. À toi et à ta femme. Ça, c'est clair. Tu veux semer le doute dans l'esprit des gens par rapport à ma personnalité. Par rapport au lien que j'ai eu avec vous. Par rapport à l'amour que j'ai eu avec vous, je n'accepte pas. Je vais décrire ici la genèse. Quoi? Je vais décrire la genèse de A à Z. C'est ce qu'il veut. Ça, c'est clair. Pour que les choses soient claires pour tout le monde, je vais décrire de A à Z. Je ne vais pas laisser une seule virgule. Ah bon? Et pourquoi? Parce que son live de cet après-midi, il met dans la tête des gens que je suis une mauvaise personne. Je ne suis pas reconnaissante. Ils m'ont donné la visibilité. Je ne sais pas dire merci. Et que cette visibilité, si comme je ne sais pas dire merci, mes choses, ma vie ou mon entreprise va s'écrouler. Tu dis ça devant tes gens pour te donner une image. Pour te donner, pour toujours mettre ce qui est positif de ton côté. Je suis ta sœur, non? Tu le sais. Tu sais que je suis ta sœur. Tu sais que c'est toi l'aîné. Ça, c'est clair. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il a voulu, il va l'avoir. Laisse, mon frère. Hey. Quand on est l'aîné, quand on est le vieux, quand on considère une personne comme moi, s'il m'a considéré comme sa sœur, et qu'il est mon aîné, s'il y a un problème dans la famille, il devrait réunir la famille pour parler. Il ne le fait pas. Oh, maman. Il préfère venir devant les gens, raconter n'importe quoi, pour te donner une bonne image, encore une fois de plus, comme il l'a toujours fait. Mais si tu fais ça avec moi, sache que tu seras perdant. Je vais te l'expliquer très clairement. Ça, c'est clair. Si tu le fais avec moi, tu seras perdant. Ah bon? Et pourquoi? Parce que moi, je suis déjà devant. Et toi, tu ne seras jamais comme moi. Venez. Et je vais expliquer aux internautes qui tu es réellement. Et comment tu es. C'est ce que tu veux? Je m'interroge. Si c'est ce que tu veux, dis de moi. Et on y va franco. Ça, c'est clair. Si tu veux me faire passer pour la mauvaise, pour celle qui est ingrate, la fondation, l'entreprise de ta femme, c'est moi. Qui est à ta femme, va à gauche, va à droite, va protéger ta marque là-bas, va créer une société là-bas. La fondation, c'est moi. Tu m'en veux pourquoi? Point d'interrogation. Parce que je ne suis pas venue à Paris. Tu me traites d'ingrate. Je m'interroge. Tu es sûr que tu veux vraiment? Je m'interroge. Jean-Louis Messin, tu es sûr? Je m'interroge. Est-ce que tu es sûr vraiment? Je m'interroge. C'est ce que tu veux? Je m'interroge. J'ai trop de respect pour ma soeur Star Messin. Ça, c'est clair. J'ai trop de respect pour Star. Ah bon? Et pourquoi? C'est ma soeur. Partagez d'abord. Mais si c'est là où je veux m'amener, on va y aller. J'ai trop de respect pour ma Star Messin. Elle m'a appelé ma grande soeur. Elle m'a dit ma grande soeur. Je veux aussi lancer ma marque de cosmétiques. Je lui ai dit oui, vas-y. C'est comme ça, protège ta marque. Parce que si tu ne protèges pas ta marque, vous avez trop de problèmes sur les réseaux sociaux. Tu risques d'avoir des problèmes. Va à ta voix, protège ta marque. Ça, c'est clair. Elle a couru. Elle allait protéger ta marque. Quand elle a eu son papier, j'étais la première personne qu'elle a appelée pour me dire voici ma soeur. J'ai mis mon papier. J'ai protégé ma marque. Tu me veux quoi, Jean-Louis Messin? C'est quoi ton problème? Je m'interroge. C'est quoi ton problème? Je m'interroge. Tu es sûr que tu aimes ta femme? Pour faire ce que tu dis, ce que tu as dit cet après-midi vis-à-vis de moi? Je m'interroge. Tu es sûr de ça? Je m'interroge. Tu es sûr? C'est moi qui ai protégé ta femme, va protéger ta marque. Elle est complètement néophyte dans le monde de l'entrepreneuriat. Je lui ai dit, va à tel endroit, tu protèges ta marque, sinon tu risques d'avoir des problèmes sur les réseaux sociaux. Elle a couru, elle a protégé sa marque. Elle était dans le bureau, elle m'appelle ma soeur Amélie. On me demande 450 euros, est-ce qu'il faut que je paye? Est-ce que c'est le bon prix? Je lui ai dit, oui, ma soeur, c'est le bon prix, paye. Pour protéger ta marque, c'est très bien, c'est le bon prix, paye. Elle paye, elle me dit, ok, j'ai payé. Deux semaines après, elle reçoit son attestation de protection de marque. Je lui ai dit, ça y est, comme ça tu es protégé. Tu me veux pas, Jean-Louis Messin? C'est quoi? Je m'interroge. Quel est ton problème? Je m'interroge. Quel est ton problème? Je m'interroge. Tu veux m'opposer à ma soeur? Je m'interroge. Il est où ton problème? Je m'interroge. Tu me traites d'ingrate? Je m'interroge. Ingrate par rapport à quoi? Je m'interroge. Ingrate par rapport à quoi? Je m'interroge. Tu connais la vie des gens? Je m'interroge. Parce que je ne suis pas venu à Paris? Je m'interroge. Venir à Paris par rapport à la protection de la marque? Ou alors tu dis à ta soeur va créer ta société à tel endroit parce qu'elle ne connaissait rien du tout de tout ça? Je lui dis va là-bas, fais comme ça, fais comme ça. Je suis à l'origine de la fondation de la société de Star Messin. Comment voulez-vous qu'on aime les gens? Je m'interroge. Aimer quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est seulement de voir quelqu'un? Si je ne suis pas allé à Paris. Aller à Paris, c'est quoi? Par rapport à la base que tu as apportée à quelqu'un. Je m'interroge. Merde! C'est quoi votre problème, au fait? Je m'interroge. Vous êtes les meilleurs, vous êtes les propres, vous êtes les excellents. Et les autres sont les mauvais? Je m'interroge. Je m'interroge. Si je détestais, si j'étais, vous avez dit, Star, ta fille a écrit sur son mur. Ta fille a écrit plein de choses sur son mur. Deux jours avant l'inauguration à Paris. J'ai ma vie. J'ai un homme, j'ai une famille. Tu ne pouvais pas venir à Paris. Mais c'est moi qui suis à l'origine de la protection de ta marque. C'est moi qui t'ai donné les conseils de base. Tu étais complètement néophyte.
ton mari aussi. Complètement néophyte. C'est moi qui vous ai dit, qui t'ai dit, ah, va là-bas, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu peux faire ça. Je m'interroge. Si tu n'aimes pas quelqu'un, est-ce que tu peux le faire? Je m'interroge. Vous n'avez jamais rien fait pour moi gratuitement. J'ai toujours tout payé. Ça, c'est clair. À la sortie de la marque Maboya, à Paris, j'ai tout payé. Ça, c'est clair. Hôtel, restaurant, prestation, cachet. Ah! Oh, maman. Tu étais mon égérie pendant 6 mois. J'ai payé tous les mois. C'était pas gratuit, c'était payant, c'était des prestations. Ça, c'est clair. Vous dites que je suis ingrat par rapport à quoi? Je m'interroge. Ingrat par rapport à quoi? Vous pouvez me dire, je suis ingrat par rapport à quoi? Je m'interroge. Vis-à-vis de vous, je suis ingrat par rapport à quoi? Tu veux que je commence à citer? Tu veux que je sorte un cahier et je note chaque chose que j'ai payé? Et à quel moment, même quand il n'y avait pas besoin de payer? J'ai mis ça. Tu veux m'amener sur ce terrain-là, non? Te voilà, non? Non, mais est-ce que tu sais sur ce terrain-là que tu veux m'amener? Je m'interroge. J'ai lancé la marque Maboya à Paris, au chalet chez Cynthia. C'était une prestation. J'ai payé l'hôtel, j'ai payé, je vous ai donné un cachet, j'ai payé la bouffe, j'ai payé les chambres d'hôtel. C'était pas gratuit. Vous n'êtes pas venu me supporter gratuitement. Je vous ai payé pour ça. Laisse mon frère. Hey. Et si je venais à Paris, le week-end où ta femme a lancé sa marque, marque pour laquelle je suis à l'origine de la protection de cette marque. Si je vous taxais ma prestation, vous allez me payer? Comme vous m'avez taxé quand vous êtes venu à la mienne? Je m'interroge. Il fallait que je prenne ma voiture de Nantes. J'arrive à Paris, je prends une chambre d'hôtel. Ma chambre d'hôtel, ça coûte 175 euros. Je paye l'hôtel, je paye la bouffe gratuitement pour venir vous supporter. Supporter Star. Ça ne m'aurait pas posé un problème si j'étais disponible. Je vous dis que je suis la fondation de la marque de Star de Sang. C'est moi qui lui ai dit, va là-bas protéger ta marque. Va là-bas créer la société. C'est moi. Elle n'y connaissait rien. Ça, c'est clair. Merde. C'est quoi? Tu fais un live en parlant à parabole. Tu avais une personne. Si une personne te donne deux personnes. Je payais Star pour parler de mes produits. Maboya, le matin, je la payais. Ce n'était pas gratuit. C'était une prestation. Tu comprends? J'ai payé Emmanuel Keita pour parler de mes compléments alimentaires. C'était une prestation. J'ai pris la coach Lady Sonia pour parler de mes produits. C'était une prestation. J'ai payé. Ça, c'est clair. Et tu veux me faire passer pour une ingrate? Que vous m'avez donné la visibilité, c'était gratuit? Je m'interroge. C'était gratuit? Je m'interroge. Tu veux me faire passer pour une ingrate, moi? Moi, cette femme, que j'ai payé mes billets d'avion pour venir à ton anniversaire, à tes anniversaires. Je paye mes billets d'avion pour partir de chez moi de Nantes. Moi, je paye deux billets d'avion. Mon billet d'avion et le billet d'avion de ton cousin qui vit dans ma ville de Nantes. Deux billets d'avion pour moi et ton cousin. Je prends deux chambres d'hôtel pour lui et moi. Je loue une voiture à l'hôtel pour venir à ton anniversaire. J'arrive à ton anniversaire, je foirote des milliers. Mais t'amuses pas avec ma chambre de maison. Arrête. Arrête ce que tu es en train de vouloir faire. Arrête. Tais-toi, mort. Merde. C'est quoi ça? Tu laisses ta belle fille raconter n'importe quoi sur son mur. Tu es incapable de, de lui dire de n'était pas n'importe quoi. C'est quoi ton problème au fait? Quel est ton problème? C'est mon directo. Je fais avoir mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avoir mon iPhone. C'est mon directo. Je fais avoir mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avoir mon iPad. Si ça te plaît. Gratuitement pour moi. Au point de dire que vous m'avez donné la visibilité et que je suis ingrate. J'ai toujours tout payé tout le temps. Tout le temps. Tu veux que je prenne le cahier et je note? Et que je sorte des factures? Tu es là depuis, tu envoies des faux profils. Hein? Tu envoies des faux profils signaler mes likes. Depuis lundi, je suis. Tu penses que je suis. J'ai mais ça ne me cherche pas. Ne me cherche pas. C'est pour ta femme que je te vis depuis longtemps. Tu comprends? Il ne faut pas me chercher. Je ne suis pas venue au lancement de la marque de ta femme parce que je n'avais pas le temps. Et même si j'avais le temps, tu allais me payer. Vous êtes venu au lancement de la marque Maboya, de la gamme Maboya. J'avais déjà d'autres produits. Avant la marque Maboya, j'ai pris ta femme comme égérie. Je l'ai payé pendant 6 mois, tous les mois. C'était gratuit. Tu dis que tu m'as donné la visibilité, est-ce que c'était gratuit? J'ai payé ta femme pour ça. Mais on peut éviter les choses, il est toujours là. Tu sors aujourd'hui, tu viens raconter, on vous a donné la visibilité. Tu as donné la visibilité à qui? Tu as donné la visibilité à qui? Dis-moi un seul instant où on se retrouvait et que je n'ai pas payé. J'ai payé tout le temps, tout le temps. C'est un message. Tu as dit là-bas, j'ai entendu ce que tu as dit. Tu as dit qu'il n'y a pas de problème entre vous et moi. Il n'y en a pas. En tout cas, jusqu'ici, je considérais qu'il n'y en avait pas. Mais sache que là où tu étais au chalet là-bas, les personnes avec lesquelles tu étais autour de toi, on sait ce que vous avez dit. Parce qu'on a eu des coups de fil des personnes qui nous ont appelé pour nous dire ce que vous avez dit ce jour-là là-bas au chalet. Tu dis que je n'ai pas supporté. Que je lance les pics parce que je n'ai pas supporté que tu sortes une marque. Mais ma pauvre dame. Mais ma pauvre dame, réfléchis deux secondes.
venue vers toi, j'étais prise. Pour te dire, présente-moi la marque ma boyade tous les matins chez toi en te payant. Et moi aujourd'hui, je vais être jalouse de toi que tu vas sortir une marque alors que tu m'en as parlé et que je t'ai dit va là-bas pour protéger la marque. Tu oses dire que parce que je n'ai pas supporté que tu as sorti une marque, ma sister, tu es sérieuse? Tu connais la carrure de ta soeur? Tu connais ma force de frappe à tous les niveaux? Tu oses dire ça de moi? Tu oses? Je veux voir quelque chose. Vous dites qu'on m'avait donné la visibilité. Quelle visibilité? Vous voulez que je parle de mon anniversaire? Est-ce que vous voulez que je parle de mon anniversaire? De ce qui s'est passé pour mon anniversaire? De quand vous êtes rentré, ce que ton mari m'a écrit après l'anniversaire? Tu veux que j'en parle? Il ne faut pas me chercher. Vous voilà, non. J'étais calme. Je vous ai laissé. Vous voulez me faire passer pour l'ingrate, pour la mauvaise, pour celle qui n'est pas reconnaissante. Toi et moi, nous avons une relation professionnelle. Tu présentais la marque Maboya, je te payais pour ça. Ce n'était pas gratuit. Donc c'était normal que tu parles de la marque Maboya et que je te payais. À partir du moment où on te paye, c'est une prestation. Où sont les vidéos? Où sont toutes les vidéos que tu as faites quand tu présentais la marque Maboya? Tu les as tous effacées. Toi et ton mari, vous avez effacé toutes mes vidéos. Quand j'ai arrêté le contrat avec toi, avec la présentation de la marque Maboya, vous avez effacé toutes mes vidéos. Ce qui n'est absolument pas professionnel. Ne me cherchez pas. Vous voilà. Star Messan, quand ton mari parle, il faut que tu saches lui parler. Il faut que tu lui dises qu'il ne faut pas qu'il me cherche, pas du tout. Toi, à qui j'ai pris la main pour dire que va là-bas protéger ta marque, va là-bas pour créer ton entreprise, tu oses dire que moi je ne vais pas supporter le fait que tu passes, que tu sortes une marque. Toi, Cynthia, qui est là sur mon live, toi-même tu as dit que tes gens m'ont donné la visibilité. Tu dis que tes gens m'ont donné la visibilité comment? Tu Cynthia, qui est sans ignorer que je payais Star? Que c'était une prestation quand tu présentais ma gamme Maboya? Que quand on est venu lancer la gamme Maboya chez toi, c'était une prestation? Est-ce que c'était gratuit? C'était gratuit?